Arefa Monde TV. L'ignorance est un crime, mais connaître sans rien faire est un crime plus grave. Soyez branchés pour vous donner toutes sortes d'informations dans tous les domaines de la vie. Je voudrais dire simplement que cet individu-là, il n'a ni le niveau d'études que j'ai, ni l'expérience professionnelle que j'ai, ni le niveau d'intégrité que j'ai. Vous parlez donc, nous ne sommes pas comparables, tout le groupe. Nous ne sommes pas comparables. Donc, je suis quelqu'un de très respecté à travers le monde. Si eux qui pensent qu'ils sont sérieux parce qu'ils ont volé des matières premières congolaises et qui pensent qu'ils peuvent manipuler des gens avec de l'argent, je respecte leur avis. Mais personnellement, là, je suis quelqu'un de très respecté. Pourquoi avez-vous cherché à entrer en contact avec Moïse? Monsieur, parce qu'il nous semble si que... vous continuez à poser des questions sur ces individus-là, j'arrête l'interview. Mais Noël Tchani, parlons-en quand même. Est-ce que vous êtes la personne qui doit porter ce projet ou cette proposition de loi? Surtout quand on sait, selon des sources concordantes, que vous-même, vous avez déjà renoncé à la nationalité congolaise. Monsieur, si vous continuez à affirmer des choses qui ne sont pas vraies, j'arrête l'interview. Je vais vous dire une chose. Je parle des sources concordantes. Non, je vous dis, si vous continuez donc à raconter des bêtises, j'arrête l'interview. Ça ne vaut pas mon temps. Ça ne vaut pas mon temps. Non, okay? Il ne s'agit pas des bêtises. Je vous dis bien que si vous continuez à raconter des bêtises, j'arrête l'interview. Alors, vous voulez dire ici à notre public que tout le temps que vous avez passé aux États-Unis, vous n'avez pas acquis la nationalité américaine. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Vous ne l'avez pas dit ici. S'il vous plaît, si vous continuez à faire ça, j'arrête l'interview. Et non, c'est pourtant par respect aux téléspectateurs, parce qu'il y a quand même des questions que les gens se posent. Nous ne sommes pas dans les polémiques inutiles. Je voudrais vous dire que l'interview est terminée parce que j'estime que vous me faites perdre du temps. Non, mais nous devons quand même du respect au public. Non, mais président, vous ne pouvez pas faire ça. Comment on va faire? Donc tous nous pouvons pas être au même moment. Aux hommes on a équipe à foot et betaka. Bino nous bosons la carte terrain mais joueurs on a joué engagé bino. Drapeau yambo que joue engagé. Donc bande de place bakéi. Nazo croire na ba valeur na bango. Je crois que bazali mature. Bako céder na ba caprice à Moïse Katumbité. Parce que pour défendre Moïse Katumbité, c'est un gars qui s'est bien. Les alors on met mieux l'amba na pressing. Ma foot à monsieur baby c'est l'amba. Pour que bolongo la mafuta wana il faut vraiment na ebisio ke botia ba kisi ya ndenge na ndenge po donc kisi même na nettoyage pour nettoyer Moïse et kosengo ba kisi ebele ezali salito ko longwa difficilement na elamba. Nous n'avons pas assez d'arguments kosenga biso benergie ebele pour na défendre Moïse. Je pense pas qu'il ait un bon élément ko ekopesa biso makasi pour te défendre pour na élection présidentielle ou le peuple azo de la changement. Il a un problème de nationalité douteuse azali na makambu ya ora ezo poser problème. Il a géré avec le pouvoir en place qui doit justifier bilan. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour Moïse. Donc, je ne veux pas voir mes frères tomber trop bas autour de la personnalité de Moïse. Et Zali, piège. Daniel Safou, réveille-toi. Mike Mukebay, réveille-toi. Christelle, réveille-toi. J'en appelle à Peter Chan également, la conscience. Réveille-toi. Je n'ai pas un problème personnel contre ces gens. Ce sont mes frères, nous avons le même combat. Mais ils ont été séduits par le diable. Ils ont été séduits par la majorité indirectement. Ata obo imbonga Kabila, ça aux yeux à Moïse. C'est la même chose. Mais au sein d'affaires, nous repassons à Bilamba. Vous êtes en train de coopérer toujours avec lui indirectement. De père et de mère. In extenso, les sons existent. Il a dit, moi, Félix Tshisekedi, ma mère à moi, a du sang angolais. Aujourd'hui, le président de la République. Donc, avec votre loi là, Félix Tshisekedi ne peut pas être président de ce pays. Ça, c'est faux. Maman Marthe, elle est kassaïenne.
Ndok. Moi, je n'étais pas là quand il a dit, mais je vous dis simplement. Vous voulez que je vous donne le son? Je connais maman Marthe, elle est Kassaï. Non, lui, non, je ne parle pas de moi. L'autre président, il a dit ça. C'est vrai que son père, donc c'est-à-dire Koko Nabiso Yamobali, Odongo Abota maman, Ayaka à l'âge de 6 ans, à Outagangola, il est venu à l'âge de 6 ans. Puis à Colina Congo, à Bali Moissi Naye, ma grand-mère. Mon grand-père, lui, il est venu de l'Angola, d'une tribu, Namalange, d'une région, parmi les langues nationales, il y a le Tiluba. On suit votre concept, notre président n'a pas le droit d'être président. Monsieur, moi je pense que vous aurez dû me laisser d'abord terminer l'idée, parce que vous n'avez même pas toute l'idée complète. Non, je vous donne l'exemple de notre président. Mais je vous dis, et je vous ai répondu. Il a dit ceci, je vous ai moi, répondu. Félix Tshisekedi, ma mère a du sang angolais. À ma connaissance, maman Marthe, elle est kassaïenne. Ndok. C'est ça que je connais. Si vous avez d'autres informations, c'est à vous donc de partager ça avec les gens. Mais à mes connaissances. J'ai dit bien, c'est notre président qui l'a dit, c'est pas moi. De toutes les façons, la loi que je suis en train de proposer, elle s'applique à tout le monde. Le président Félix est déjà président de la République. On ne va pas rétroactive. Non, elle n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive. Ah, c'est pour le futur. C'est pour le futur. Bateau yo bi flata flata. Bateau yo po balia il faut bako ça. Vous êtes, savez, en fait, c'est la petitesse d'esprit. Quand on est grand dans la tête. RFA Monde TV. L'ignorance est un crime, mais connaître sans rien faire est un crime plus grave. Soyez branchés pour vous donner toutes sortes d'informations dans tous les domaines de la vie.